Pensez aux jeunes, question de les impliquer, de les mettre en valeur. Alors, vous devez penser millénial. Bonsoir, bonsoir à vous qui nous regardez de là où vous êtes. Bonsoir à nos techniciens. Je suis toujours ravie d'être ici. Je suis sûre qu'on va passer un très bon moment. Allez, on prend la pause et on revient. Comme toutes les semaines, on vous apporte deux mots dans notre rubrique découverte de mots. Aujourd'hui, on vous apporte ectomorphe et puis zoïle. Ectomorphe, ça pas qu'on rive nous. Je pense que chaque monde là, il y a un genre de monde comme ça dans l'entourage. Il y a des gens qui ont mangé ça, ils veulent. Lè yo vle, mezi yo vle, yo pa gosi on yota. C'est-à-dire, ouè moun nan li mes, li wo, wap mè de kote tout manje sa yo passe. Et puis, du coup, nan langue nous, des fois, nous employe des mots qui assez dégradants. Nous connaissons yo saf, aloufa, nous connaissons yo gangamel. Gant pile mot toujours, nous ka dit que même pas songe. Donc, moun sa yo, yo rele yo ek. Donc désormais nous connaissons pour nous les moun sa yo moun qui mange en pile yo met à manger votre pap gros, ce qui n'est pas le cas pour moi depuis manger me débordé. Donc ça s'écrit H E C T O M O R P H E. Deuxième mot nous gagnons pour vous, c'est zoïle. J'aime ça dire là même j'avais ectomorphio nous plein moun sa yo dans entourage nous. C'est des moun qui prend plaisir à critiquer. Yo critiquer à tort et à travers, rien pas jamais bon pour yo. Tout soit fait pas bon pour yo. Comme on le dit, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Ça s'écrit Z-O-I-T-R-E-M-A-L-E. Merci parce que tu permets moi enrichir vocabulaire. Cette vidéo qui t'a fait la une sur internet là qui sorti de groupe théâtre ami nous connaît Galel, c'est la fille qui a dit que et ma peau noire c'est le soleil qui m'a brillé. Nous songeons cette vidéo ça why you bleach. Alors aujourd'hui on va parler de pigmentation, de dépigmentation de la peau ensemble avec une structure qui relève quintessence. Nous pour la recevoir invitez nous en Kounia, ça nous passe. Là, pour nous recevoir aujourd'hui à ce plateau. Pas autant que moi. Je suis contente là. Bien sûr. Donc, si par exemple, vous faites parler nous de où, faites-vous présenter nous à public ou bien avec téléspectateurs au Cap Gadola, je pense que c'est un bon début. Ça passe. Merci. Bonjour, regarde où? Ah ben, n'importe où. Oh, ok. Mardi, bonsoir à tout le monde qui branche Millénial. Mardi, bonsoir à public là qui l'a. Je vous dis bonsoir déjà. Je ne me souviens pas alors. Au cas où, dis bonsoir. Oh, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Michela La Rochelle. Moi, fais partie de une structure, j'en se dis, hein, qui porte nos quintessence production. De façon personnelle, moi-même, moi, c'est un monde qui étudie communication sociale. Moi, c'est comédienne de formation. Et actuellement. Non, parce que vous parlez de nourrir un peu là, hein? Ah, justement, pour me porter rectification ça. Comédienne différente de ça, relé humoriste. Yeah. Moi, pas un humoriste, moi, c'est une comédienne. C'est oui, différent. Mais les comédiens font rire également. Ça va dépendre de pièces là, de personnages que l'a incarné. Ça arrivait que l'incarner un personnage qui est un peu bouffon. Ok, donc son façon pour me dire qu'on ne peut pas faire nous. Son façon pour me dire qu'on ne peut pas faire nous. Très gentil de ta part.
Oui, mais après ça, qui ça nous suppose connaître de où encore? Bon, parler de soi, c'est pour un bagage qui est tellement facile. Ben oui, ça c'est vrai. Mis à part, bon, souvent, dans le moment, ça va parler de moi-même en tant que coordonnatrice de Quintessence Production, qui a géré lui en tant que monde qui mettait Quintessence sous pied avec un autre monde encore, qui c'est présidente Quintessence Production, qui c'est Claire Siagean, qui lui-même pas dans le domaine comédie du tout, qui pas dans le domaine théâtre du tout, parce que lui-même c'est dans le domaine. Génie civil, c'est mon qui c'est dans ça la fait étude, donc très à l'opposé, mais qui gagne en l'amour pour ça aurait l'écriture là, parce que lui-même tout lit écrit. Ok. Donc comme on se dit, c'est super difficile. Grand peu de monde qui aime dire tout, super difficile pour monde parler de tête yo. Donc maintenant, avec le peu qu'on a de toi, on va parler maintenant de Quintessence. Ou pour l'expliquer nous qui ça vraiment qui Quintessence, en structure ça en soi qui s'allie. Ok, Quintessence Production, c'est une production qui lance li dans sa relais 7e Arlan, dans le théâtre, dans le spot publicitaire, tout ça qui a rapport avec ça qui a rapport, ça aurait le cinéma, ça aurait le paraître, le blending. Donc, nous, dans l'écriture également, ça arrive que. On a besoin d'écrire en spot, il a besoin d'idées de spot, il a besoin de scénario, donc on se le permet. Nous écrivons pour nous. Okay. Et ça va arriver que nous demandons aux comédiens qui pourraient incarner personnages qui sont dans le scénario. Nous gagnons des comédiens dans le nous pour ça. Ok. Mais comment est-ce que Quintessence organise ou dit si on a besoin, par exemple, d'écrire en spot? Donc, c'est sûr que nous avons des éléments qui étudient pour ça. Donc, nous avons mis au bon, par exemple, notre structure, comité, Quintessence, comment est-ce que nous... Généralement, lorsque dans l'écriture, il est facile lorsque vous étudiez communication sociale pour permettre de faufiler dans sa oreille écriture-là. Et surtout lorsque vous êtes en théâtre, il y a l'autre possibilité tout parce que déjà dans le moule, là, on est capable d'écrire. Et il y a des gens qui ont sa oreille le don, mais si là, nous avons un scénariste dans le temps, nous avons différents personnages qui sont habilités pour être capables d'écrire un spot publicitaire. Est-ce que la majorité de gens, c'est des jeunes qui étudient en Haïti ou bien comment est-ce que nous. Oui, la majorité de nous, c'est des jeunes, mais ça dépend de. Lorsqu'on dit jeunes, ils vraiment dépendent de. Qui sont mon antenne de jeunes parce on que parlait, les... on ne parle pas seulement de jeunes comme en tant si que de, tranche d'âge, mais on parlait de jeunes plutôt état d'esprit. Ok, oui, nous c'est des jeunes qui étudiaient en Haïti. Ok, c'est très intéressant. Donc nous on se dit nous fait théâtre et l'écriture tout ça, mais comme moi sont annoncé tout à l'heure, nous pouvons parler de dépigmentation de la peau. Pour qui ça nous embrasse sujet ça, disons phénomène ça. Li intéressant pour lorsque ou c'est une structure pour gagner ensemble de images ou bail gagner chaque monde embrasser une cause, chaque structure me penser ta doit embrasser une cause, gagner ensemble de artistes qui dit à mettre ensemble pour embrasser une cause bien déterminée, gagner ensemble de professeurs qui mettent ensemble pour dire à embrasser une cause, nous même qui était sens production. Nous dans l'essence, comme nous on dit, nous décider d'embrasser cause dépigmentation de la peau parce que c'est un fait social. Non seulement en Haïti, mais c'est partout ailleurs. Côté qui gagne monde, qui gagne peau noire. Et comme étant donné la façon que nous élevons nous, disons lorsqu'on gagne peau noire, tout ça qui était gagné par rapport avec l'esclavage, colonisation, etc., ça vient de faire que, ou, en tant que noir, on a tendance à développer une sorte d'infériorité. Et il y a une série de monde qui nourrit la chaos sans le vouloir. Comme Livin Toun est un fait social, il y a un pile problème. Il y a un pile problème, surtout il y a un problème d'estime de soi. Et lorsque nous avons tenu compte de ça, et puis nous dit bon, il faudrait bien que nous embrassions le vent. Bon, la preuve est bien clairement noire. Donc, nous avons une sensation, c'est un bagage qui vraiment concerne personnellement.
Ok, bien aimé tes remarques que fait là, en oui, parlant de nous même qui noir. est-ce que dans le groupe là qui formait qui était sans pas gagner j'aurais le dans langue nous en grimel ou bien grimo là dedans? Ah oui, mais c'est ça qui est intéressant. Moun gen, oui, évidemment, il y a plusieurs personnes qui ont un teint clair. Je préfère le comme ça, bon, je dis grimel dans tout. Et ça qui est intéressant, c'est que en pile moun qui ont un teint clair dans le groupe, là, c'est moun yo qui ont pas pour moun qui noir. Ok. On va dire ouais. Donc, ça, question posée est assez intéressant parce que j'ai tendance à dire lorsque on invite dans un espace, surtout moi, m'a parlé de peau d'ébène parce que c'est comme ça qu'on coule en relais. Lorsque m'a parlé de peau d'ébène à quel que soit mon nom, dit c'est pas un gourmet que nous a fait avec moun qui gagne un teint clair. Yo, c'est pas un gourmet qu'on a fait avec moun qui se fait dépigmenter. Ok. Mais c'est une façon pour nous dire, jeune, la beauté est un package. Si vous pas si pas briller lorsqu'on noir, c'est sans forcément parce que vous pas connait comment pour habiller qui couleur qu'après vous s'éteint. Vous pas connait qui maquillage vous mettez qui pour bail visage ou éclat. Parce que vous paraît qu'on soit belle, bon ensemble de monde, il y a 20 nous dans télévision, il y a ensemble de ça aurait les beautés à beauté nous, c'est stéréotypé, merci. C'est pas qu'on soit arrêté ou mon nom brillé, mon nom belle, ou elle là, elle a fait le col, c'est pas vrai. Mais gay, pas vrai. Exactement. Sans question de maquillage, sans question de habillement, sans question de quoi. Tout Photoshop. Photoshop. Parce que photoshop. Je dis à mon tellement lavé photo, des fois qu'on a cherché des gens dans la photo, on va pas jeûner. L'aller? Mais bien sûr! C'est pour me montrer, mon nez qui a un gros nez bon, je vous dis. Hein? Et puis, on a regardé, on a le pointu, même j'ai avec Ibrahimovic. Oh, super! Yeah. Faut avoir un bail comme ça, moi. Donc, c'est intéressant en parlant de ça, nous prenons pour nous plus parler sur ça. Mais depuis qui le nous existait et puis depuis qui le nous embrassait, cause ça qui c'est la dépigmentation de la peau? Nous existait, ça fait environ 3 ans, mais nous légaliser, nous préférons prendre la partie de là, okay. Pas gagner un an. Donc, mais nous. Nous sommes toujours à travail, nous faisons des représentations théâtrales. Dernièrement, c'était le 3 juin, oui, le 3 juin de cette année, nous sommes représentés pour la première fois en Haïti. Aïe, aïe, aïe. Ça va venir. Ça ne me vient pas. Trop de mémoire. Ah oui. Il y a une pièce de théâtre qui était faite au Canada avec David Mézi. C'est lui-même qui a écrit pièce là. Nous t'ai représenté pour la première fois Cœur de Lyon. Ah, merci Seigneur. C'est Cœur de Lyon, nous t'ai représenté pour la première fois en Haïti. Okay. Nous t'ai fait Dents pourries, c'était l'année dernière, 31. Dents pourries, c'était un spectacle pour faire mon grillet dans Jean Saldier. C'est pas Dents pourries. Dents pourries. Imagine aussi dans le spectacle ça, grand pile monde Dents pourries t'es venu. Ça ne t'a pas fait. Par contre, ça ne t'a pas fait. Donc, c'est ça. Nous embrasser causant pour répondre à ta question. Nous embrasser cause ça. J'ai l'impression que ça fait longtemps, mais nous vraiment dit, nous on a fait quelque chose. Parce que nous ne voulons pas pointer du doigt comme si c'est pas du corps, si c'est pas de ma bleach, si c'est pas ceci, si c'est pas cela. Et chaque monde embrasse cause en façon. Il y a des gens qui embrassent dans l'écriture avec les gens qui écrivent. Donc, dans la littérature, nous avons Mario Chauvet qui fait avec Trilogie Lan, Amour, Colère et Folie, première partie Amour Lan. Il y a Margaret Papillon qui fait avec Noir Préjugé. Il y a Jean Sodian Théâtre Ami qui fait lié avec un sketch. Et nous autres nous dit nous décidons de faire lié à travers un concours qui est inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation contre la dépigmentation de la peau. OK. Et en tant que structure, est-ce que nous trouvons que cause ça nous embrasser à fait nous plus paraître que par rapport avec l'autre activité nous t'ai fait? Bon, pas peser poids, mais si c'est ça, j'espère c'est bien. Okay. C'est bien parce que c'est un fait social, c'est un bagage qui pour Haïti, il y a pour jeunes, il y a pour tout le monde. Parce que si ça continue comme ça, nous mettons nous tous à dépigmenter et puis on a cherché l'identité. Nous, en tant que peuple noir, nous avons perdu notre toute beau race que nous y avons déjà.
OK, très intéressant. Tout à l'heure, nous avons parlé d'infériorité, mais comme si nous parlons vraiment de l'autre aspect. Parce que nous connaissons que la question de pigmentation, ça, on dit Dukoa, il est sorti en Inde. Parce qu'à l'époque, il y a cette histoire de caste. Il était toujours préféré comme si des gens qui ont des couleurs, nous on appelle les grimoires, ils font partie de l'élite, de gens qui pirouillent. Et puis, du coup, même qui ont des peaux noires, c'est comme si toute la Saint-Jean marchait dans le soleil, ou c'est mon dans le jardin où il est. Et puis, ils viennent avec tendance à venir en Afrique, qui viennent prendre. Et puis, nous-mêmes en Haïti, éclairer vers nous passer là-dedans. Donc, mis à part l'infériorité que Jean dit à Léa, qui fait que mon a fait ça, qui est l'autre cause, vous pensez, qui pousse mon à Douko de Calicoyo? Est-ce que tout le monde est entré dans l'infériorité? Par contre, si nous allons loin, capable de dire dans l'époque esclavagiste, lorsque nous avons colonisé nous en tant que peuple noir, nous avons une façon de présenter en tant que monde qui est noir et de présenter le monde qui est blanc. On a un Jésus assez craquant. Oh, toujours blanc. On a un Jésus craquant, aux yeux bleus, et beau gosse. Nous gagnons monde qui a opprimé, c'est un monde qui a une couleur. Après ça, les ouvert Bible en jour, c'est bien, faut accepter, c'est qu'on s'allie. Et puis tout ce qui a rapport avec la beauté, il est représenté avec monde qui gagne, voilà, avec monde qui gagne peau blanche. Du coup, lorsqu'on grandit comme ça, on finit par regarder autour de vous-même, vous dites non, mais. Il y a une sorte d'éducation, il y a entré, il y a ancré. Et lorsqu'on sortit avec un bagage qui est aussi loin, il est difficile pour détacher des liens. Détachement, quel que soit ça, il n'est pas facile. Donc, on grandit, après ça, on vient de Baou, ça aurait les télévisions. Bon, télévision, on a en pile noir, pas de quoi. Intégrer cinéma, présentation, présentateur, présentatrice, etc. Pile côté, on pas qu'à rentrer, parce que ou pas cadré pour ça. Et lorsqu'on regarde un film, des séries de belles images, il y a dit la beauté, c'est vraiment c'est être blanc, qui sait, ça aurait les beautés. Nous, pour nos enfants, non, façon qui a rapport avec ça aurait les. Éducation, timoun nan nan sa nan jouet yo de barou des poupées qui blanc avec cheveux si haut. Il est évident que lorsque timoun nan gagne 12 ans, je pense que c'est dans la SAO, entre 11 et 12 ans, timoun nan va le certificat, la mode allait bon, disons à l'époque PAM, c'était mais permanente à 12 ans. L'obra le certificat, oui, c'est ça. Et donc tu as les cheveux lisses et puis avec, ou commencer avec les cheveux lisses et puis on commence à boire des produits pour dépigmenter et puis ou gagne cheveux lisses là pour on va le mettre couleur sur en bas cheveux lisses là donc pas un monde qui va pas ensemble avoir non belle femme. Mais oui, parce que notre tête que ce soit jeune ou bien petit monde ou bien adulte ou tout, c'est là qu'on sent belle. Exactement. Et puis un autre phénomène encore qui c'est phénomène monde qui gagne préjugé faut pour font petit monde qui gagne peau claire. Parce que automatiquement, si on a un peu c'est déjà un métier lié dans un pays qui gagne ça. Parce que bon, auteur qui dit, c'est ça qui vient de faire que Margaret Papillon, il parlait de ça dans Noir Préjugé. Côté, il bat un personnage qui est noir, et puis qui a cherché une épouse blanche. Parce que le pata souhaitait faire un petit monde qui noir, même Jean Samavel. Et qu'on s'est passé trois épouses. Définitivement, il dit faut qu'il pas fait petite. Et puis, il prend une femme blanche, il paye un grimoire, nous comprenons la chose, et pour faire Timoun qui gagne pour blanche pour lui. Donc, en grosso modo, c'est ça. Nous besoin plaire. Bon, ce n'est pas un phénomène qui pour mesdames seulement, mais pour monsieur. Pas du tout, quelle idée. Mais, comme étant donné, il y a les stéréotypes, nous-mêmes garçons, bon, disons garçons yo, en Haïti, ils ont tendance à pefaouche. Donc, c'est ça qui fait que pas plus garçons qui ont des pigmentés. Ah, bien sûr, mais nous trouvons que ça qui fait le jeudi, il y a un peu l'audace. Et puis, il est de plus en plus nombreux, n'est-ce pas? Nous ne pas répondre, moi. Donc, mesdames, yo, nous autres femmes, nous avons tendance à plaire. Et lorsque ou gain couleur, ça met moins dit comme ça. Ou briller plus mon gain tendance à dire comme ça, anti black ça pas mal non, même préférer tigrimel là.
Et lorsqu'on vient avec un monde qui a un peau claire, à chaque fois, si on remarque comme ça qui fait, on commence par dire non, sérieusement, pour me jouer un nègre, il faut que je me doute. Okay. Ou du moins, pour me marier, pour bien chuter dans une relation, il faut que je me doute. Du coup, donc, c'est un paquet de bagailles qui va nous faire une dépigmentation. Ça. Du coup, nous avons dit que non parti, monsieur, yo, yo responsable de bon mesdames, coup, je suis yo, yo, tête, yo, pour yo, qui a l'école. Est-ce que vous entendez, monsieur? Je suis désolée. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, même c'est vraiment dommage, mais il y a pour beaucoup. OK. Responsabilité à pas sous dos seulement, mais il y a pour beaucoup. Nous, dernièrement, je parlais avec, avec Clercia, et puis il dit, nous avons des médias nous entourent qui pour beaucoup. Donc, il y a un ensemble de bagailles qui avant nous, pour façon pour nous vendre nous. Donc, bon, c'est tout le monde qui parle de responsabilité. De responsabilité. Et puis, ou même en tant que structure, ou doit arranger pour embrasser en cause, et si on embrasse en cause comme ça, et je suis sûre que pas seul monde, parce que l'autre monde connaît, qui est dans le domaine de parce que c'est une cause qui est assez intéressante pour la société. Non? OK. Là maintenant, si on parle un peu du concours, ouais. Comment est-ce que nous lançons le concours ça? Comment est-ce qu'un monde capable de venir là-dedans? Qui s'allie gagner en dedans vraiment? Donc, ou bien philosophie, qui sont voulu parler là-dedans? Donc, le critère, c'est qui s'allie pour le concours ça qui est le pot de ben? OK. Pot de ben, concours ça, ma prodile, c'est un concours qui est inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation. Premier critère, là, faut qu'on soit noir. Évidemment. Je suis noir. Je peux y participer, non? Non, il faut noir un petit peu foncé. Sérieusement, foncé. Vous êtes d'accord? Non, non. Non, il faut l'encourager, mon cas. Allez-y, allez-y. Encouragez-la. Mais je suis noir. Bon, OK. Sérieusement? OK. Kounia, je vais vous demander public non bagay? Oui, vous oui? Lui. OK. Kounia, la même étape dans le concours. Et puis, c'est ligue de concours. Comment tu comprends pour nous dire elle a eu le coucou pour des bennes et puis son monde qui est pour clair. Comment tu comprends ça, Lipa? Ça fait sens, mes amis. Non, écoutez. Nous avons fait un concours qui pour sensibiliser contre la dépigmentation de la peau. Vin un petit problème parce que nous relions le peau des bennes. Voilà, c'est pas je un suis noire, je ne suis pas blanche. On est d'accord? OK, donc moi-même tout me cap bataille pour mon pas dépigmenter. OK? Donc on pas pour qui ça nous mettait peau de ben, donc on vient mettre en restriction dans concours là pour mon tant comme yo pas ca aller. Voilà. Donc comment voulez vous me faire tête moi là? OK. Je viens dans concours. Quand une grimelle pour nous-mêmes en Haïti, où y aurait l'eau grimelle pour nous. Yo pas connait les grimelle. On pas connait pour qui ça ou pas faire ça. Jamais. Ouais, je viens dans concours, tu vas venir dans concours, c'est pas grave. Mais c'est nous même pas ou même pourquoi dit venir concours. Voilà, mais fini pour ça, pourquoi pas. Alors pour nous même en Haïti où sont grimel. OK. Non mais vous te mettre kembel, vous te mettre prendre pour lui me faire cadeau. nous relle le pot de ben bon nous connaît qui ça qui on bois de ben non nous connaît et etc., tout ça voilà. Nous relle le pot de ben parce que nous avons besoin de un nom qui fait boom, un nom qui est assez intéressant et nous dit que les gens qui ont une peau claire, même gens sans ma voix, ou du moins plus clair, que, ou même pas capable de participer, parce que ce n'est pas une question de restriction qui est négative, c'est une façon pour permettre à ce que les gens qui nous voient, nous accentuons sur les gens qui nous voient, une façon pour mettre en valeur, pour connaître nous, ou une façon capable de briller avec la couleur noire. Là. Tu es belle comme tu es. Donc, en aller, venez dans le concours. Là. En deux concours, on a tout enchaîné. On a gagné des séances de conférences, des gens qui sont venus pour intervenir sur le problème qu'il y a. Bon, on dit que ces docteurs-là qui sont venus pour parler de problèmes qu'il y a avec la dépigmentation de la peau. Nous avons gagné Marie-Miquès Moïse, qui sont modélistes, qui sont venus parler de nous. Qui j'en pour habiller lorsque, bon, disons, qui couleur, qui braille avec teint, pour faire ressortir beau.
Nous avons gagné un monde qui c'est artiste make-up qui est là pour parler de qui genre de maquillage qui braler avec type de peau que vous avez gagné lorsqu'on noir ou pas qu'à mettre n'importe qui maquillage ou qu'on gens pour maquiller. Okay. Nous avons gagné un monde qui là qui intervenir sur ça aurait l'estime de soi parce que toute bagaille ça yo ou qu'à connaître comment pour habiller ou qu'à connaître comment pour maquiller et au plus profond de vous-même on pas sentir belle parce que petit travail là pour qu'au fin fait qui se travaille pour faire sentir belle dans peau là pour faire sentir bien dans peau là qui se travaille travail estime de soi donc qu'est-ce que nous comptez bail comme prime bon comme prime nous comptez bail un cachet que nous pour qu'on voulait dire montant okay. Nous comptez gagner un séjour dans un hôtel assez intéressant dans la capitale là. Nous comptons bail également des gadgets pour comment les bails ordinateurs etc. Donc oui il y a d'autres petits bagages encore qui a venu comme des guides donc parce que t'as pas dit que nous avons des produits pour mon noir qui pour raffiner ou faire bien parce que des fois c'est parce que mon noir pas connaît vraiment avec quel genre de produit pour servir donc voilà. Résultat cherché à qui peut faire noir yo apparaître belle dans yo ou pas jeune donc obligé retirer donc on pense que nous ta supposé mettre ça dans prio ouais bah là non nous pas de gain projet pour nous bailler mon yo des produits par contre nous gagner en dans quintessence production un ensemble de jeunes gagne une la donne qui c'est artiste make-up li gagne une entreprise qui relait Aïda Rus make-up donc li a permettre à ce que jeunes yo joignent produits à bas prix OK mais li pas qu'à faire au cadeau donc commande dans nous gagne en pile type de monde donc c'est son bagage comme ça qui permettre à ce que jeunes yo qui viennent participer dans concours là avec mon cap venir pour parler de comment pour lui maquiller a n'a dit quel type de produit qui allait ensemble avec et une possibilité pour le jeune produit ça à meilleur prix d'accord merci beaucoup nous sommes parlé de en pile bagaille mais qu'on est là nous va le passer avec rubrique qui relait questions sans intermédiaire c'est public la cap gain pour poser des questions sans que même pas intervenu place maintenant aux questions sans intermédiaire. Bonsoir, non, bah, c'est Sineus pour Clarence. Moi, question d'où quoi, c'est un sujet qui est sensible. Donc, dans la culture, par nous, il y a toujours à discriminer les gens qui sont noirs. Allez, tirez son noir ça, tirez son laide ça. Alors que les gens sont clairs, ils disent que c'est son bel garçon. Donc, nous ne pouvons même pas vouloir sembler à mon noir. Nous ne pouvons sembler à français, à américain, à moi, bah, sinon, je suis blâmé. Donc, ça moi même d'arrêter mais d'où et qui perspective à l'avenir pour continuer sensibiliser mounio parce que mon coup est sujet ça faut qu'on continue parce que mounio t'es ton petit gendu qui perspective à l'avenir pour au sujet ça bonsoir Cinevus et est-ce que tête mounio dû moi mes paroles ça on pensait que tout le monde voulait sembler avec un autre monde automatiquement ouais moun nan a fait un bon bagaille on pensait c'est travail là ta de fait tant qu'on a façon que n'a formé mounio façon que mounio a représenté tête yo moi même là m'étais petit m'ai pas envie de sembler avec et Angelina Jolie, m'te souhaité sembler avec Whitney Houston. Parce que m'te aimé voir Whitney Houston et puis façon Whitney Houston bouger sous scène, etc. C'est une légende. Oui. Alors, pour qui ça nous souhaitait faire? Nous, c'est une production qui est dans le domaine théâtre. Nous souhaitons continuer, avant tout, nous souhaitons continuer le concours. Là. Et de année en année ça l'a fait, l'autre année l'a fait. Et plus l'année a passé, nous souhaitons intégrer monsieur là-dedans tout. C'est déjà un point. Deuxièmement, en tant que production, nous souhaitons, qui est dans le domaine théâtre, nous souhaitons écrire des pièces de théâtre autour de ça et permettre à ce que vous passez sur les réseaux sociaux, qui c'est espace côté en pile monde visité, pour sensibiliser, pour sensibilisation continuer faite.
et intégrer plusieurs mondes qui ont une idée, qui sont capables de relayer nous, qui sont capables d'écrire nous sur mail, qui dit mais mon idée pour même cause là, et puis nous avons travaillé ensemble. Ce n'est pas un combat que nous apprenons là et puis nous disons, nous avons fait une année, deux années, et puis pendant l'année, on n'attend pas de nous parler de ça. C'est un bagage qui a continué. Merci. Deuxième question. Bonsoir. Bonsoir. Non, pas c'est Toussaint Wilson, souvent il est Nel Fresh. Oui, question pas moi, c'est pour intervenant là, Michi. Mais bien sûr. Qui ça qui différencie le concours ça de l'autre concours? Bien sûr, un concours pour des bennes. Merci Nel Fresh. Tout profite occasion pour me féliciter pour musique qu'elle fait que sortir qui c'est Bando. C'est vraiment assez intéressant, mais Paolio fait me rire en pile. Ouais, on est fan, pas vrai? Qui ça qui différencie le concours pour des bennes de l'autre concours? Premièrement, les cause que l'app défend, qui c'est dépigmentation de peau, combat. Deuxièmement, différence encore, nous pas bail couronne. Nous pas bail couronne, dans prio, c'est pas en compte parce que les de 16 à 26 ans, nous pas fait différence monde qui gagne un petit monde ou pas. OK. Nous pas fait différence monde qui marié ou pas parce que nous connait des jeunes qui marié à 24 ans, à 25 ans. Que ou marié ou pas ou capable venir dans concours. Bon l'autre bagage encore qui différencie concours pour des bennes de l'autre concours. C'est surtout 10 finalistes. Dans 10 finalistes, chaque grain finaliste ça yo a gagné un designer qui pour habiller, qui pour conseiller les habiller. L'a gagné un artiste make-up qui pour conseiller et maquiller, excusez-moi, et maquiller. Donc 10 finalistes, 10 artistes make-up, 10 designers. Que moun sa yo tout y a obligé inscrit dans le concours. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci à deux moun sa yo qui sont posé des questions. Et puis, comme dernière question, nous toujours faisons dans Millennial, font-ils prêter intervenants, invités à connaître pour être capable de faire propagande, faire publicité pour activité. Donc, nous avons incité les gens à venir participer, tout profiter de comment ils sont capables d'inscrire et puis pourquoi ils sont capables de passer. Merci. Pour des bennes, c'est un concours qui embrasse une cause sociale. Je ne dis pas si ou pas tenu compte de lui, demain l'a gagné dans figure l'a gagné l'aide. Et c'est un concours qui permet à ce que en dans ou gain possibilité pour identifier en tant que monde koyé a ou kembe monde koyé a et pour fier de monde koyé a. Ou joindre des conseillers sous toute ordre qui pour permettre à ce que demain si Dieu veut sortir dans concours ça ou pas sortir jonté entré a ou sortir en meilleure personne. Et puis, chaque grain de monde, chaque 10 finalistes, quel que soit le monde qui entre dans le concours, il y a un monde qui va porter des nouvelles de lui, qui permet à ce que la société nous change. C'est une façon pour me dire, chaque jeune qui est là, il a une belle possibilité pour vivre un bel moment ensemble avec nous, pour transformer pendant un mois. D'accord. Et comment est-ce capable d'inscrire? C'est simple, nous allons aller dans la rue des Pins, dans la rue de Frères rue des Pins, numéro 4, dans le local Best Sky Hotel. Là, on a un réceptionniste qui a fait inscription pour nous. Il n'y a pas un pile cob, c'est ça qui fait nous permettre à ce que tout le monde, en façon pour nous permettre à ce que tout le monde soit capable de venir inscrire et participer ensemble avec nous, c'est 1000 gouttes seulement qu'on a besoin. Et puis, pour seulement une petite signature, si nous avons 16, 17 ans, l'hypoco majeur, pour que nous gagnions un accord familial, en disant parents, les gens qui sont responsables, pour permettre à ce que nous participions dans le concours. Pour nous dire merci parce que quelque sens t'es déplacé vers ce plateau millénial pour capable impliquer les jeunes plus dans belle activité ça. C'est à vous même pour moi dire merci et merci avec le public là. C'était un bel moment. Nous parlons nous merci même. Merci. Finalement, oui, les femmes font un concours pour nous apprendre à dire merci. Bien sûr. C'était un bon moment, merci beaucoup.
Quintessence, équipe Quintessence, là, dis merci pour l'espace. Et t'as bien aimé gagner comme invité, mon cap gagner dans le coup de bête. Oh, assurons que la là. Bien sûr, en c'est déjà la bienvenue. D'accord? Merci, merci beaucoup. De retour avec vous sur le plateau de Millénial. J'adore m'asseoir ici. Hein? Je suis trop jolie avec eux. Donc, nous sommes parlé de causer Douko, dépigmentation de la peau avec la structure Quintessence. Nous connaissons plus des avantages les gens qui ont Douko que les avantages. Mis à part les gens qui ont découlé, les gens des fois, quand même qu'on vient de sentir cru, donc t'es pas voulu manger nous. Nous avons un vieillissement prématuré, il y a un risque cancer, diabète et même tension. Donc, je pense que nous avons plus des avantages pour nous faire ça. De ce, du coup, nous allons parler de beauté, parce que les gens pensent que l'idée qu'à l'école, c'est belle, ils viennent plus belle. Mais aujourd'hui, on va parler avec les jeunes de Millénial sur ce sujet. La beauté physique, un atout majeur de réussite de la vie. Donc, est-ce que ou pour ou contre, ou bien qui soit pensé de l'affirmation ça, de beauté physique ou qui est capable fort réussir dans la vie? On va voir ça maintenant. Être belle en Haïti, c'est synonyme de avoir la chance. Avoir la chance, comment? Bien, gain pays position dans le pays à pour y gain promotion pour joindre, il faut avoir la beauté physique là tout j'en ai qu'on dit pour gain bel corps, ça veut dire et on a toujours gain chance gain plus à tout avec monde qui pas trop belle, mais ça veut dire que l'or belle ça gain des monde qui belle mais qui pas gain connaissance. Mais moun ki pral pran yo an, ki pral ba yo de, comment dire, ki pral ba yo de chance, oui, ki pral ba yo de opportunité, y a trompe yo seulement ap gen médiocrité, et puis moun ki konn ki gen talent, ki pa jwenn chance. Bon. Donc, nous t'avons dit ou contre-affirmation ça, ben que oui, beauté physique, c'est yon atout majeur pour moun réussir dans vie. Exact. Bien. Donc, nous avons un contre, Suzy, pas d'accord, parce que ça arrive que les gens sont belles, mais ils n'ont pas de tête pour être capable de faire ça ou de le faire. Entendez qui ça risque de nous dire dans ça. Bonsoir, Ruth. Bonsoir. Bonsoir et tous les jeunes milléniaux. Donc, moi, je m'a dit que moi, totalement contre. Et parce que beauté vraiment n'est pas vraiment un atout de réussite. Et pour nous, parce que mon il peut être paraît en façon de dire mon sa belle et il a fait tel ou tel bagage, et pourtant mon nom il pas vraiment qualifié, parce que c'est ça tout qui vient avec phénomène de pigmentation, parce que mon nom vient parfois il y a des bagages pour ta joindre, des opportunités pour ta joindre, s'il pas gain telle ou telle couleur, ou bien s'il pas telle façon, il pas joindre l'objet al tout cocol, et puis il vient totalement yon l'autre monde. Donc je pense que li pi important pour accepter tête ou jon yé, parce que c'est pas question de physique vraiment, parce que gen moun ki belle vraiment et extérieurement, et pourtant moun sa pa gen rien nan tête yo. Donc je pense que ça qui pi important c'est beauté intérieure, qui pi important c'est là, c'est pas pour regarder moun soit apparence, c'est pas garder physique ou non pour dire à moun ça li tel moun bon. Moi c'est que son question de et son question de tête avant tout. OK, moi c'est que c'est là moi et fini avec intervention. Merci Risnol qui contre tout pour lui même c'est beauté intérieure qui comptait. Jean Mounio Abdil de Yora, c'est pas une question de beauté intérieure parce que moun n'a pas tout non l'envers pour l'ouel. C'est une blague qu'on fait, mais pour Risnol c'est en dedans, c'est tête tout, c'est connaissance pour mettre avant on parler de beauté. Entendez Woodley pour nous parler de ça. Bonsoir Ruth, bonsoir à tous. Bonsoir Woodley.
Juste avant de commencer l'intervention, madame, on va venir sur la définition de la beauté. Qui est la beauté? La beauté, c'est une qualité qui a gagné, qui gagne esthétique là-dedans, état de ce qui est bon en raison de sa valeur intellectuelle ou morale. Bon, côté moi, je vais dire moins pour, c'est parce que m'a fait une hypothèse selon genre évolution société noire. Il y a toujours une certaine particularité pour les gens qui sont belles. Et c'est sûr et certain. Cela est tellement vrai, il y a même arrivé à dire que les gens qui l'aident, c'est l'œuvre du diable. Bien sûr. Mais je dis moins contre tout parce que grand pile monde qui réussit dans la vie, il a pas gagné en beauté de divinité. Donc j'ai un jeune homme dans ce deal là, premier beauté pour moi même c'est ça qui dans tête ou qui sont qu'à offrir. C'est qui est souillé en réalité, mais c'est pas ça ouais de yo. Parce que moi connais sur route pas moi connais un pile monde qui vraiment belle, qui vraiment waouh. Mais monde ça immédiatement que il parler ou qu'à dénigrer tout de suite. Par exemple, songe que m'étais dans la rue et puis il y a un ami qui a salué une demoiselle, il dit salut demoiselle, mais demoiselle est tellement chic. Et puis, je ne sais pas si c'est timidité, il dit salut. Lousse. Oui, c'est sérieux. Lousse. Donc, moi compte parce que ce n'est pas ça qui est affiché avant tout qui beauté pour moi-même. Parce que quand il y a un peu de monde qui réussit dans la vie, il y a les deux à faire peur, qui fait froid dans le dos. Mais ça n'a pas empêché pour autant que il y a un bagage de bon qui est offert. Merci. Merci Oudli, qui à la fois pour, parce qu'ils sont expliqués pour qui ça, et contre aussi. Et bien, Abdi Oudli, merci et salut pour l'intervention. N'abgade salut Diana Gimpouldi. Je pense que dans la société où l'on vit, la beauté physique est un grand atout de réussite. Pourquoi? C'est parce que le plus souvent, les gens regardent ce qui frappe les yeux. Une personne avec une beauté extraordinaire a beaucoup plus de chances de réussir dans la vie. Ce n'est pas essentiel. Quand une personne intelligente a beaucoup de valeurs morales, même si la chance de réussir est très faible. Elle peut réussir sans la beauté physique et je... Bien sûr, tu peux continuer. Mais elle peut réussir sans la beauté physique et je vous laisse avec ce dicton. L'apparence est trompeuse. C'est bien la beauté physique, mais on ne peut pas dire que c'est le principal et encore moins l'unique atout de réussir dans la vie. Merci à Ludiana qui sortit. À la fois presque même j'avais coup de lit, ben pour qui ça lit dans un premier temps lit pour et puis expliquer pour qui ça que c'est pas seulement beauté physique là qui va permettre tout réussir. Et notre dernier intervenant nous qui c'est Diego qui va dire nous ça le passé. Pas vrai Diego? N'abdi tout le monde bonsoir donc. Nous gagnons standard qui dit la beauté est une promesse de bonheur donc. C'est à dire bon, on cap c'est pas avec nous. Parfois, ceux qui sont de misère, donc nous avons ça, l'air comme si on vivait en Haïti, qui gens liés, parfois on a comme si maigre, visage comme si déformé, comprenez. Mais l'arrivée là et New York, ouais comme si on a changé, donc est-ce que vous comprenez? Parfois, ceux qui sont, bon, permettez que je me dise ça, ceux qui sont de salopes tout. Raison, bah c'est tout. Malpropre. Il y a un monde qui travaille pour une beau, pour une belle. Okay. Est-ce que vous comprenez? Donc vous voulez parler de si un monde qui pas voulait prendre soin de tête. Justement, ou appeler. Est-ce que vous comprenez? Ok. Mon gars, par exemple, sur tête, moi, là, on m'aime chaque jour, depuis comme si on m'aime jeudi, on m'aime demain, on m'aime ticket, et pas chaque jour, on m'aime plus frais, mais donc, on m'aime de là. Parce que, on toujours frais, c'est-à-dire, beauté à ce bar, comme si normal lié, et m'a toujours dit, on m'aime ça, pas que m'aime qu'il est vraiment, ça dépend de vous-même. C'est question de confiance aussi. Okay. Est-ce que vous m'aime de là? Moi, j'aime toujours pas arrêter, pas à ton côté, moi, nez, camp, et ça, même toujours garder mon ticket, mais c'est beau, même beau tout. Est-ce que vous m'aime, c'est-à-dire. Non, mais voilà, gagne tout. Non, mbo aussi, mbo. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai pas besoin de dire que c'est beau pour le monde. Ok. Et si maintenant c'est ce qu'on est, c'est donc, il est relatif. Justement, ok? Si maintenant c'est ce qu'on est, là, comme si on ménage, quand l'école qui est formée, et puis comme si le monde s'est propre aussi, c'est-à-dire qu'on commence comme si vous prenez soin de tête. Là, pas à votre côté, mes amis. Vous êtes à l'aise. Yeah. Est-ce que je n'ai pas besoin de dire que c'est fait? Non, mais pendant que je suis comme si innocence, non seulement je suis formé,
et puis monde comme si on apparence physique. Est-ce que c'est à dire pour beauté à son fait normal et on ca terminer avec ça pour me dire que pas gagne monde qui l'aide beauté au dépend de eux même. C'est une question de confiance, c'est une question de comme si style ou prend parce que chaque monde a un style. OK, merci beaucoup. Merci Diego, bravo pour nous. Bien sûr. Et j'aime toujours faire, j'aime dire, c'est des petits conseils que nous avons joints. Et m'a toujours chita sous ça, Diego Dien, pour qu'on finisse ensemble avec nous. Sachez-le, vous êtes unique. Pas de monde qui a jamais même j'avoue, et vous pas jamais même avec l'autre monde, parce que déjà tête, vous déjà. Cessez de vous comparer aux autres. Moun ya moun ton nan télévision ki bèl, pa konnen jan ou diyan like Jennifer Lopez, des fois moun sa yo bote sa ya pou fou de yo, yo pa genyen vraiment parce que anvan yo pote le ba, yo pa ba ou le brut. C'est comme si yo passe nan machine à laver non moun, yo vin faire fin yo ba ou. Des fois que nou apprend moun sa en nu, ou ap gade tête ou pi bèl passe. Jan sa di la beauté relative. Ça que belle nan j'ai pas ou que doit pas belle nan j'ai pas mais ce que nous devons faire c'est apprendre à apprécier tête nous d'abord. Chaque monde a une morphologie qui est différente. Comment est-ce que vous mettez morphologie pas ou là en valeur? Même je madame nous t'a dit tout à l'heure en parlant de quintessence, faut qu'on comment pour habiller, faut qu'on comment pour maquiller pour capable mettre beauté pas ou là en valeur. Alors m'a dit encore, soyez unique, soyez vrai. Aimez-vous comme vous êtes. Parce que personne ne peut être vous et vous ne pouvez pas être les autres. C'est comme ça la mettez en fin, non, rubrique. Et si on en parle? Je me sens que je vais aller quitter nous. Nous avons aller? Hein? Mais pourtant, faut aller. Un petit coucou à nos techniciens qui font un travail sérieux, à Christy qui bien maquillé nous, Ré, organe vital millénial. Nous t'oublions pas au numéro tout à l'heure pour capable relayer si ou besoin inscrit dans le concours Peau d'Ébène qui c'est 37 32 41 77 38 30 80 25. Et puis, vous êtes capable d'écrire sous quintessence 0408 à commercial@gmail.com. On est jeunes? On est millénials! Bye bye!